Bonjour. Alors, pourquoi est-ce qu'on est ici? Bah en fait, l'autre jour, je me baladais sur YouTube et je regardais des vidéos à la con, genre des vidéos de chats sûrement. Et je me disais, si je faisais une chaîne YouTube, pourquoi pas? Et l'option que j'ai choisie, c'est de faire une chaîne gaming. Parce que déjà, c'est pas original et que je suis pas original. Et que deuxièmement, c'est facile à faire. C'est facile à faire, non mais faut bien admettre qu'une chaîne gaming c'est moins galère qu'une chaîne d'Urbex quoi par exemple. Donc je me suis dit, on va faire une chaîne gaming. Allez. Mais attention, un manque d'originalité, certes, mais pas trop. On va pas faire ni du League of Legends, ni du Call of Duty, ni du Battlefield et tout ça. On va faire des petits jeux sympas, genre. Un peu old school, mais pas non plus du rétro gaming. Genre les jeux de notre enfance en fait. Voilà, on va faire un petit peu les jeux de notre enfance. Enfin pour l'instant. Après on verra, hein, peut-être que ça va évoluer. Le truc, c'est que faut quand même s'organiser un petit peu pour faire une chaîne YouTube. Et bah moi j'ai organisé zéro truc. Mais zéro quoi. Donc je me suis dit, on va organiser ça ensemble. Pourquoi pas? Alors qu'est-ce qu'il faut? Pour commencer une chaîne YouTube, je pense que premièrement, il faut un nom pour la chaîne. Je pense. Déjà, si on commence par ça, on va pas être mal. Si, si, j'oubliais, il y a un truc que j'ai quand même fait avant de faire cette vidéo. C'est la petite musique que vous entendez. Ah! Ça, c'est moi, ça. Elle est pas mal, hein? C'est moi parce que je suis musicien. Vous pouvez voir mes superbes guitares derrière. Première chose, ça va être le nom du coup. Le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne. On va réfléchir. Ah non, ça c'est déjà pris ça. Bon, alors on dirait peut-être pas comme ça, mais en fait là je suis en train de me retourner le cerveau pour essayer de trouver un truc et je trouve rien du tout. On peut essayer un générateur de noms youtubeurs sur Google. Peut-être qu'il y aura des trucs. On va regarder avec le téléphone, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Ah, il y a un truc qui s'appelle Motbot, générateur aléatoire de pseudo. Alors attendez, parce qu'il propose vraiment des trucs nuls. Mafran. Kagan. Mais ouais, mais pourquoi? Ah non, il propose des noms de sites internet. Kagan.com. Mais c'est pas du tout ça que je veux. Générateur de pseudo original. Ah, c'est ça qu'on veut. Erinia. Slidower. Tarkog. Ognarb. Mais ça fait trop pas des noms de gamers, ça. Darkrod, mais c'est quoi ces noms là? Dur. Je sais même pas comment ça se lit. Durbanarb. Lurgarg. Lur. Attends, attends, attends. Lurgagal. Non mais je déconne pas. Hein. Franchement, je déconne pas. Ah, on voit rien. C'est quoi ces pseudos à la con? Je pense pas qu'on va faire. Quoi? Pseudo. Pseudo original pour votre compte Skype, Twitter, Facebook, Mythique, adopte un mec. C'est quoi ces trucs? Non mais qu'est-ce qu'on peut prendre? Il y a quoi comme youtubeur? Si, il y a un qui a un nom assez marrant, c'est le Raptor. Le Raptor disgracieux. Ça doit pas être ça. Non, ça doit pas être ça. Le raptor disgracieux. Oh la vache. Du coup, j'ai la vision dans la tête d'un vélociraptor qui boudine de partout avec ses petites pattes qui font. Et on peut se baser sur un nom de ce genre-là. Qu'est-ce que. D'habitude, comme pseudo, j'utilise White pour tout ce que je fais. On peut trouver quelque chose. Quelque chose entre le raptor disgracieux et White. Un raptor, c'est quoi? Un raptor. Un vélociraptor, c'est un dinosaure. Une bête. Une bestiole. Hé! Hey!
Ça, c'est pas mal, ça. On pourrait faire la bestiole ou... Mais ça doit être sûrement être pris, la bestiole. Mais on pourrait faire... la bestiole... la bestiole blanche, on pourrait faire. On pourrait faire un truc qui s'appelle la bestiole blanche. On va partir là-dessus. Adjuger. Mais vous savez, sur les chaînes gaming, enfin sur beaucoup de chaînes YouTube en général, à la fin de la vidéo, il y a une page avec leur petit logo ou des trucs comme ça, avec marqué mets un pouce bleu, abonne-toi et tout. Et bah, je pense que je vais faire pareil. Mais comme je maîtrise pas du tout Photoshop, ce que je vais faire, c'est je vais le faire sur Paint. Je vais le faire sur. Au début, j'étais motivé pour le faire en dessin, mais déjà, j'ai aucun skill en dessin non plus. Hein. Faut pas se leurrer. Et puis j'ai pas de crayon de couleur. Alors je me suis dit, bah allez, on va faire ça sur Paint, hein, écoute. Nous voilà sur Paint. Ce qu'on peut faire. Pour mettre une bestiole. Attendez, on va mettre en bleu. En bleu comme ça, c'est joli. Ça va faire joli. Bon, ici, on va marquer vidéo précédente. Dante. Bah! Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Abonne-toi. On va même mettre avec un petit. Je sais pas, comme ça. Ta. Là, ça pète, là. Là, les gens, ils ont envie de s'abonner, là. Abonne-toi. Il manque le pouce bleu. Je me marre à ce que je fais, quoi. Et là, du coup, il va falloir faire un pouce. Il est pas dégueulasse. Si, il est assez dégueulasse. Si, en fait, il est dégueulasse. On va mettre... un raptor, voire même deux raptors si on arrive. Là, il faut que je me concentre, parce que le raptor, c'est le plus important. Attention, c'est un gros raptor. C'est un raptor disgracieux, on a dit. Les petites pattes. Attends. Les petits bourrelets, le double menton. On va lui faire une petite crinière, comme ça. Il y a un problème avec la queue. Faudrait commencer plus comme ça et la faire pouf comme ça. Ah là c'est pas mal. On est mieux. Étonnamment, j'ai fait n'importe quoi et pourtant c'est mieux. Pourtant. Les bourrelets aussi, on va refaire quelques trucs sur les bourrelets. On va faire comme ça. Ça va. Ouais, c'est pas si mal. Des petites dents. Il manquerait pas quelque chose. En fait, je pense que la bonne solution, ce serait déjà de regarder à quoi ça ressemble un vélociraptor. Plutôt qu'essayer de dessiner un. Il ressemble pas mal à Godzilla finalement. Vélociraptor. Oula. Oh bah il est bien potelé notre vélociraptor. Alors déjà, il est pas vert normalement. En même temps, c'est des théories. Comment les scientifiques ils peuvent savoir la couleur des. Enfin, bref. Par contre, il y a l'air d'avoir des petites bandes dessus. Donc on va rajouter des petites bandes. Il était bien mieux avant. Non, ça ressemble à rien, ça. Bah non. Alors attention, un petit détail qui déchire. Faut marquer de l'autre sens. C'est correct. On pourrait faire un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. On part là-dessus. Et ici, j'aimerais bien faire une tête, mais de face. Une tête de vélociraptor disgracieux, mais de face. C'est pas ouf, hein. Ça ressemble à tout, sauf à un dinosaure, ça. Ça ressemble. On dirait un squelette. C'est incroyable, ça. Je viens de dessiner un squelette. On va le faire plutôt de côté. Le bec d'oiseau, là, devant, ça le fait pas. Là, on a notre vélociraptor disgracieux. Genre,
petit peu comme ça, ça c'est bon ça. Je pense qu'on est pas mal. Il manque juste les dents. Finalement ça a de la gueule. C'est coloré, c'est joyeux. Il y a des vélociraptors. Si on peut essayer ça, on peut essayer quelque chose ici. Boum. Bon bah voilà. On a fait quelque chose qui est finalement très beau sur Paint. Bon, les amis, maintenant on a fait tout ça, c'est cool, mais on est quand même là pour faire du gaming. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit peu de gaming vite fait, et on va jouer à Super Meat Boy. On s'en bat les couilles. Alors, how to play to Super Meat Boy. Non, je déconne, j'ai déjà fait les premiers niveaux, en vrai. Alors ça, ça va. Jusqu'à là, ça va, c'est pas trop dur. Ici, tu cours et tu sautes, mon gars. Bam! Ça, c'est bon. Non! Oh là là, mais quelle grosse merde! Tranquille. Alors à tous les premiers niveaux, je te les torche, mon pote. Splat! Splat! Tac. Tac. En speedrun, mon pote. Je te le fais en speedrun. C'est une façon vachement bizarre de se gratter le nez, ça, putain. Voilà. Pourquoi? Ah, j'ai... J'ai bugué. Beaucoup trop facile. Bah alors, pourquoi tu glisses sur ton propre sang? Cette phrase elle était complètement... Je sais même pas quoi penser de cette phrase. Pourquoi tu glisses sur ton propre sang? Ça va, je me démerde. Oh bah oui, j'ai du skill, hein, clairement. Alors attends, là... Là, ça commence à se compliquer. Ah, j'ai sauté pourtant. Non. Pourquoi t'as sauté de ce sens-là? Écoute. Non, je veux dire, il y a un moment, je veux bien faire des efforts, mais bon. Oui. Mais putain, tu sautes ou quoi? Putain. Putain. Le mec qui rage, tu sais. Le mec qui va... Oh mais non. Attends. Là, quand tu commences à rager... Aïe. Ah. Quand tu commences à rager, c'est le début de la fin, là. C'est que là... Tu vois, tu maîtrises plus rien quand tu rages. Ça, c'est le... Et encore. Nous voilà au boss final. Qui est de... Oh là, hé. Tu vas te calmer. D'accord, attends. Ça va. Oh. Ok. J'y ai cru. Oh non, oh c'est pas bon ça. Si, oh non. Finalement, c'est pas facile hein, comme jeu. Hein. Oh, alors là, comment j'ai brain le jeu. Oh là, mon gars. Oh, oh my god. Oh, oh my god. Oh. Je peux enfin cligner des yeux. Oh, ça fait 20 minutes que j'ai pas cligné des yeux, mec. J'avais les yeux qui... piqué. J'ai réussi, j'ai tout des... Eh, franchement, je l'ai fait en perfect limite. Hein. En speedrun, quoi. Mais easy. Waouh. Bon, messieurs, dames, dans cette vidéo, vous aurez appris à créer une chaîne YouTube, à faire une photo pour la fin de votre vidéo sur Paint. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Vous aurez appris à avoir du skill dans Super Meat Boy, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Et je pense que dans le prochain épisode... Dit comme ça, on dirait un gros trailer, quoi. Dans le prochain épisode... Dans le prochain épisode, je pense que... Le prochain épisode, ou les prochains épisodes, je pense faire du Fable, le premier Fable, parce que c'est un peu le jeu de mon enfance. Et j'adore Fable, c'est trop cool, Fable. C'est trop cool. Il y a des putains de musique, il y a des putains de scénarios, c'est trop cool, Fable. Sur ce, à bientôt, et je vous laisse sur ce magnifique plan.